dont je vous ai présenté il y a quelque temps la dernière collection de papiers qui s'appelle Romantique. Et donc aujourd'hui, je voulais vous montrer les papiers de fond qui sont assortis. Donc, il y a 6 feuilles recto verso. Donc, j'avais déjà fait une première vidéo pour vous montrer les papiers romantiques. Donc là, je vous montre juste ceux de fond qui sont arrivés aujourd'hui. Donc, vous avez une première page, comme ceci, avec une trame de petits pois, fond à pois. À l'arrière, un mur de rose. Donc c'est vraiment pour assortir à la collection. Un fond avec de la dentelle. Et des motifs baroques. Vous avez un petit bonus avec des lettres à découper façon Scrabble. Voilà, vous avez tout l'alphabet plus des voyelles en plus pour pouvoir écrire des petits mots ou des prénoms sur les couvertures d'albums. Voilà pour cette présentation. Donc vous la retrouvez en boutique dans le rayon Scrap Merveilleux, papier Scrap Merveilleux. Et ensuite, j'ai une deuxième collection à vous présenter. Donc c'est celle-ci que j'ai appelée Correspondance et qui est dans un thème vintage. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai choisi ce format-là en 21x30 pour optimiser le papier. Parce que souvent, quand on fait une couverture ou des pages d'album en 15-15, eh bien, vous pourrez utiliser cette page en double sans avoir de perte. Voilà, donc ça, ce sont des fonds qui sont donc sur le thème de la correspondance et dans des tons vintage avec des textures. Donc, ça vous permet de les accorder avec beaucoup de collections de papier différentes. Donc je vous montre un petit bonus des cartes postales. Des cartes postales anciennes. Des textures. Des partitions, des textures de vieux papier. Ça, vous pourrez vraiment les accorder avec, avec plein d'autres thèmes. Tellement les fonds se fondent avec tout. Façon vieux livre. Et vieille correspondance. Voilà, et vous avez en plus un petit bonus avec plein de tags fleuris
et en français. Voilà pour cette petite présentation, correspondance, que je vous propose de retrouver dans la boutique. Donc je précise que les papiers font 200 grammes, qu'ils sont fabriqués en France et imprimés en France, en Occitanie. Voilà pour cette petite découverte. Je vous souhaite une bonne visite sur la boutique Scrap Merveilleux. À bientôt.